Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Africa TV. Dans cette série d'études et de compréhension du, de l'anthropologie du peuple Bamiléké, notre conversation aujourd'hui tournera autour de l'organisation traditionnelle de cette grande communauté. Et à cette fin, nous recevons, comme d'habitude, M. Dieu Toukam, auteur de l'ouvrage intitulé Histoire et anthropologie du peuple Bamiléké, dans cette version qui est nouvelle, revue et, a, et augmentée. Dieu donne tout comme bonsoir. Bonsoir. Vous êtes dans vos attributs de Bamileke ou bien de Nota Bamileke, on peut le dire ainsi. Oui, tout à fait. D'accord. Alors, comment est organisée la société traditionnelle Bamiliké Il s'agit d'une société qui est hiérarchisée, comme toutes les sociétés du monde. Évidemment, il y a un, un chef supérieur. Et après, il y a une classe de nobles, de dignitaires. Il y a ensuite euh, euh, les sujets moyens, les indigènes, les indigènes de la tranche supérieure, les indigènes de la tranche inférieure. Hum, la tranche inférieure étant généralement constituée hum, de roturiers. C'est-à-dire des gens de la basse classe et, et d'esclaves, si on remonte à, à plusieurs siècles. C'est vrai qu'en pays Bamileke, il n'a pas existé d'esclaves, mais il y a eu une catégorie sociale qui était plus ou moins considérée comme telle, parce qu'il s'agissait de gens qui travaillaient toute leur vie. Des pseudo-maîtres et ne recevaient rien en compensation de leurs efforts. Mm -hmm. Voilà un peu comment s'est organisé. Les, les indigènes de la haute classe, c'est la classe moyenne, on peut le dire ainsi. Oui, la classe moyenne. D'accord. Oui. Vous, vous parlez tout à l'heure, il y a quelques instants, d'esclaves des qui n'ont pas en réalité existé, mais l'on observe. Qui a la, la, la tradition des lebweb, c'est-à-dire ces personnes qui, ont, qui sont dévouées cause et âme à la, au service du roi, au service du chef, pour le dire ainsi. Comment on les considère voilà. Justement, il s'agit d'une catégorie de roturiers qui acceptent délibérément, vraiment j'insiste là-dessus, ils acceptent délibérément de servir le chef. Euh, sans salaire, mmh. sans compensation. Euh, L'unique compensation qu'ils peuvent avoir est que euh, le chef ou tout autre employé d'un certain rang de la chefferie ou bien les, les épouses du chef peuvent leur accorder euh, certains passe-droits peuvent les nourrir peuvent leur donner des vêtements. Mais en dehors de tout cela, les lavogs, c'est-à-dire ces roturiers de, de la très basse échelle, travaillent délibérément sans compensation, sans salaire. Donc, c'est un choix. On peut, on peut donc dire choix. que la, la société traditionnelle, Bamiléke, est, est une société fondée sur l'état de droit, qui est le concept plus ou moins qui guide les orientations des sociétés contemporaines. C'est-à-dire une communauté ou un état où les citoyens sont respectés dans leurs droits et de l'autre côté ils ont des obligations. Ils sont tous égaux devant la loi. Mais c'est bien le cas. C'est bien le cas. Mmh. D'ailleurs, avant que. Euh, l'occidentalisation ne fasse tache d'huile au Cameroun, en Afrique. Il faut remarquer que euh, l'organisation traditionnelle des peuples africains est quand même copiée sur le modèle Nilote, c'est-à-dire en Haute-Égypte comme en Basse-Égypte, euh, depuis des millénaires, tout au moins depuis et, la période de, de la de euh, la grande organisation pyramidale, c'est-à-dire depuis les os et les Snefru, on constate que il y a toujours eu une organisation bien hiérarchisée mm -hmm. avec des peuples qui avaient des droits, avec des peuples qui avaient des droits à côté des, des obligations. D'ailleurs, on a coutume de le dire. Hein, c'est l'esclavage, la traite négrière qui a bouleversé tout en Afrique. C'est connu, on était mieux organisé que les autres. Et on n'a qu'à voir ce qui se passe chez les peuples précolombiens, les Mayas et les Aztèques, qui viennent également d'Égypte. Et leur organisation est tout simplement extraordinaire. Les Occidentaux sont allés copier là-bas aussi. Alors, Donc, on ne peut le pas suite... prétendre qu'en euh, pays Bamileke, il euh, y a eu des gens qui n'avaient pas de droits du tout. Puisque mm -hmm. je vous dis que euh, l'esclavage comme tel n'a pas existé. Ça n'a pas existé. Mm -hmm. Lorsque vous choisissez vous-même de travailler sans salaire pour quelqu'un, euh, vraiment, c'est un choix. Alors, très bien. Il y a, dans cette modernisation enfin, post-coloniale, on observe une certaine récupération de la chefferie traditionnelle dans notre contexte territorial, dans le contexte camerounais, par l'autorité publique, d'après les autorités nationales. Et à côté de ça, il semble y avoir un affrontement entre le pouvoir traditionnel et le pouvoir républicain. Quel est votre avis là-dessus Je l'ai d'ailleurs abordé dans l'ouvrage, même si je l'ai fait... Euh, très succinctement. C'est vrai qu'à la fin des années 80, on a constaté quand même euh, une montée fulgurante d'une certaine terminologie, à savoir que euh, la quasi-totalité des faux ou des fonds à l'ouest, d'ailleurs cela a été très manifeste à l'ouest, c'est-à-dire en pays bamiléké, francophone, la quasi-totalité des chefs a souhaité être appelés désormais des rois, et non plus des faux, et non plus des chefs supérieurs. Mm -hmm. mm, cela a eu quand même des implications. Et il faut dire que ils ne l'ont pas fait pour rien. Ils, se ils, ont, euh, constaté, ils ont constaté que euh, l'autorité de l'État, ou tout au moins ce qui représente l'autorité de l'État, à savoir les préfets, les sous-préfets et, et même les gouverneurs, piétinaient littéralement leurs droits, empiétaient sur leurs champs, sur leurs prérogatives, et d'aucuns ont même pensé que euh, le pouvoir de Yaoundé voulait écraser la communauté Bamileke en sortant les chefferies traditionnelles euh, du pays Bamileke, en enlevant vraiment la substance même de l'autorité traditionnelle. Du coup, les chefs se sont braqués et ont, et ont dit il faut que vous sachiez que. Et plusieurs siècles auparavant, nous étions vraiment des rois. Oui. Et il est temps peut-être qu'on revienne à cette appellation et même à ce système, mm -hmm. qu'on se fasse respecter. Mm -hmm. Alors, s'il n'y a pas une certaine harmonie, tout simplement, entre l'ordre républicain et le pouvoir traditionnel, dans le sens où la désignation d'un chef traditionnel par un sous-préfet ou un préfet vient juste confirmer le choix des, le choix du village, le choix des villageois, le choix des notables. Donc je suis désolé, cela ne se passe pas ainsi en pays bamuléki. Un sous-préfet, même un gouverneur ne choisit pas, ne choisit pas le chef, le chef supérieur. Il n'installe même pas, ah bon? parce que la l'intronisation d'un chef se fait au travers au travers d'un certain nombre de rites et je peux vous dire que on n'a pas besoin de l'autorité de l'autorité de l'état le gouverneur le chef est là comme un invité hein. Ils ne peuvent pas intervenir parce que la dimension métaphysique est très élevée. Ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas. Vous n'avez qu'à mais le chef Sokoujou de, de Bamenjou a coutume de de rappeler aux chefs, aux, aux préfets, aux sous-préfets, quelle est leur place et quelle est la place des faux en pays bamileke. Il faut euh, vraiment il faut que les choses soient claires. J'ai essayé de m'engouffrer là-dedans pour comprendre. Ce sera très difficile pour ceux qui veulent euh, détruire les chefs-fruits d'arriver à leur fin. Ce oui. sera difficile. Comment est organisée la, euh, la chefferie en pays bas Dans les Grattes-Fiel, la chefferie a également un système bien hiérarchisé. Il y a un chef, le faux, le Fon, le fait, appelez-le comme vous voulez, qui est l'autorité suprême du groupement. À côté du chef, il y a des notables, la classe des hauts dignitaires, des notables, Et notamment les notables de la Cour, c'est-à-dire ceux qui constituent euh, le Conseil des Neufs, les notables qui sont en même temps Mmh. Des détenteurs de postes de responsabilité au niveau de la chefferie. Mmh. Mmh. Un wala, un mépé, c'est-à-dire des gens qui travaillent au quotidien aux côtés du, du chef, Et qui sont également de haute dignitaires. Ils, ils peuvent être considérés comme des ministres, on va le dire aussi. Oui, okay. oui. Par exemple, on sait que le roi c'est, il est, il est un peu le chef de l'armée. Oui. Il est le chef de l'armée ah. dans la, la le système. Quelle est la différence entre le conseil des neufs et le conseil des sept Je on parle pas souvent de ces deux types de conseils. Le conseil des neuf, est obligatoire. Ça se retrouve partout mm -hmm. en pays Bamilékés. Le Conseil des Sept, en revanche, est facultatif. Mm -hmm. Mais les membres du, du, de ce conseil-là, du Conseil des Sept, sont également de hauts dignitaires. Mm -hmm. C'est des dignitaires d'un certain rang mm -hmm. qui ont des fonctions précises. Euh, il peut y avoir mm, euh, empiètement entre les fonctions du Conseil suprême et celles du Conseil des sept. Mm -hmm. mm, mais c'est rare, c'est rare. Mm -hmm. De toute manière, on ne retrouve pas le Conseil des sept partout. Mm -hmm. On ne retrouve pas le Conseil des sept partout. Pour continuer avec l'organisation au niveau de la chefferie traditionnelle oui. en Pays Bamileke, euh, disons qu'après euh, les grands notables de la cour, il y a euh, des sous-chefs qui jouent un peu le rôle de gouverneur. En d'autres termes, on retrouve des sous-chefs. Dans des... dans, oui, dans différents ouais. coins du groupement, de la contrée, qui sont désignés par le chef mmh. et qui ont pour mission de, de mettre de l'ordre sur leur territoire, mmh. de gérer leur territoire. Évidemment, si sur, sur un territoire donné, et on constate qu'un membre du Grand Conseil est installé. Mm -hmm. Il va de soi que le sous-chef ne peut pas donner des ordres aux membres du, du conseil des neuf. Mm -hmm. Cela est clair. Ils savent très bien comment ils gèrent cela. Oui. Après, il y aura, euh, aura d'autres types de notables. Ensuite, euh, euh, les sujets simples qui sont euh, reparti en plusieurs tranches. Il mm -hmm. y a une tranche supérieure qui est La et, qui oui qui est guidée, qui est constituée des gens qui appartient à une certaine catégorie socioprofessionnelle. Mm -hmm. des forgerons, des menuisiers, des, des chasseurs, des gens d'une certaine classe euh, parce que euh, ceux-là peuvent prétendre à un titre de notabilité plus tard. Mmh. Il y a les plus moyens et évidemment les roturiers, les roturiers comme les laveurs. Voilà un peu comment c'est organisé. Évidemment dans la chefferie, il, à la chefferie, il y a il, y a, il y a les épouses du chef, euh, il y a les princes, et, les il y a, du du palais. Oui, il y a des, des princes d'un certain âge, mmh. parce qu'à un certain âge, à, à 18 ans. Maximum 21, oui. le prince oui. est censé quitter la chefferie ou aller s'installer ailleurs. A, euh, vous imaginez pourquoi? Il faut éviter l'inceste. Ils sont très nombreux. Il y a des filles, il y a des garçons. Il oui. faut pas que, il faut éviter des choses qui ne sont pas décentes. D'accord. Ah D'accord. Il y a un certain nombre de symboles qui sont toujours constatés autour de la chiffrerie traditionnelle bamiliké. Le, le toit conique, le toit conique, le bois, la forêt sacrée, la forêt sacrée, est une place où il y a toujours les grandes cérémonies. Est-ce que ces symboles ont une valeur mystique ou alors anthropologique certaine Concernant euh, la forme pyramidale, par exemple, il existe bel et bien un sous-bassement cosmogonique, voie mystique. Mm -hmm. De toute manière, tout cela reste à déchiffrer. Ceux qui en ont les arcanes savent très bien à quoi cela renvoie. Oui. Euh, une remarque en pays Bamileke, il est interdit à un sujet quelconque. De couvrir euh, sa maison d'un toit euh, sous forme conique, mmh. c'est réservé aux notables, c'est réservé à la chefferie. Mmh. Et on sait très bien pourquoi. J'ai abordé dans l'ouvrage euh, la symbolique même des images que l'on retrouve sur le fameux tissu. Je dis bien fameux parce que c'est un tissu qui n'est pas seulement princier, c'est un tissu qui a, qui a euh, quelque chose de fondamentalement grassifié, qui remonte depuis l'Égypte. Et il s'agit du, du nop, du tissu qui est appelé le nop, celui que tissu, vous arboriez là. Oui c'est les images que l'on retrouve sur ce tissu ont une grande signification je l'ai expliqué un peu et l'image pyramidale est en elle le symbole le plus fort. Dans le livre le téléspectateur pourra avoir quelques éléments de réponse. Merci Dieu donné tout comme mesdames et messieurs c'est ici que nous achevons cet épisode consacré à l'organisation traditionnelle Bamilike. N'hésitez pas à nous faire un retour, de nous envoyer vos sujets avec lesquels nous entretiendrons nos invités pour, pour plus de culture, pour plus d'enrichissement et pour transformer notre Afrique. À bientôt sur Africa TV.